Bonjour et bienvenue, on est reparti à notre quête de trouver K.O. et de tuer K.O. On va faire un peu d'histoire principale, on va repartir dans l'histoire principale. La dernière fois on avait fait de l'histoire principale aussi, mais on avait fait du secondaire évidemment, pour augmenter. On n'a pas changé grand chose, j'ai pas détruit l'équipement que j'ai pour le moment. Par contre j'ai mis le fait que ça démantèle automatiquement. Donc tout ce qui est en dessous du niveau 20, où j'ai mis 19, faut que je regarde. Je crois que j'ai mis 19 et moins. C'est ouf. Configuration. Désassemblage automatique. Ouais, j'ai fait 19 ou moins. Ouais. En théorie, ça devrait me demander si je veux tout détruire ou pas. On va voir. On avance. Jack et ses compagnons font la rencontre d'Astos au Fort West. Selon lui, le cristal du vent se trouve au sommet de la tour située au fond d'une forêt et ils devront faire un pacte avec Chaos pour restaurer son éclat. Un sourire sinistre aux lèvres, l'elfe noir les téléporte à l'orée de la forêt grâce à ses pouvoirs magiques. Jack s'y enfonce avec empressement, incapable de cacher sa joie d'avoir appris que Chaos existe bel et bien. Oh le mec quoi. Ça y est, on prononce le mot chaos, c'est le bordel. Alors, dans le 13e espace-temps découvert relativement plus tard, il semble qu'il existe un monde créé par des divinités. J'ai envisagé que la matière nécessaire à la création de distorsions à travers notre monde pourrait y exister. Selon mes études, cette terre semble confirmer cette hypothèse. En leur sein, le temps qu'il fait et manipuler artificiellement, ce qui occasionne une distorsion au phénomène naturel. Celle-ci ne devrait pas exister et génère des ténèbres. Cet endroit semble en effet produire les résultats escomptés. Qu'est-ce que je raconte? Ça va être encore une vidéo où j'arrive pas à lire, c'est bien. Chaos exists. I knew it. I told you. Il est fou. Ouais, il y a chaos. Ouais, on va le défoncer. Oi, 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 le mec, quoi. Ouh, c'est joli ici. I've been here before too. So you know where to go. Not really. It's just a vague sense. T'as un super gros bouclier quand même, un gros pavois. All right. Oh, c'est quoi ça? Elle mint. Ok. Allez-y en premier les mecs. Enemy spot. Let's make this entertaining. Ow. Vas-y, comment on le détruit? Ouais. Ben. Take it from here, Neon. I'll lead you down. Here it comes. Watch out. Bien. Comment on va faire? On arrive. Et vous m'avez détruit le machin, le verre là? Putain. Bien joué les mecs. Joli ce cristal. C'est quoi ça? Oh. Cool. That thing changes the weather. Ah. The forest is different. I never knew plants could grow so fast. On peut revenir en arrière, est-ce que... Oh la vache. Genre s'il y a des nouvelles choses. M'étonnerait, je pense qu'il faut que avancer. Sympa. Je me disais, c'est un peu trop genre lumineux et tout ça. Ouais, ouais. Je me suis dit, c'est vraiment trop lumineux. Treasure, huh? Très
très bien. Par là. Watch out. Sometimes nature gets warped, corrupted, and turns into this. Ah, what is it? When unnatural power is fused with the natural world, it becomes a source of darkness. You're full of surprises. It's just something I heard. Wow, oh, le mec est bourrin. That's all of them. At least we have time to take a breather. J'apprenne à cancel mon attaque, moi. Take it from here, Nia. There you go. This'll be a breeze. Feel the pain. Oh la vache. Time for a change. Très bien. C'est l'heure de bourriner encore plus. Ok, élémentaire de feu. Ah. Joli. Is that it? All right. Let's keep it up. J'aime beaucoup l'explosion de glace là, les grenades où on tire dessus, ça explose. Ça fait super super mal. Have a look at this. I'll take that. C'est quoi ça? C'est un raccourci? It's all connected. We'll use this to get back. Cool. Alors là, j'ai vu qu'il y avait un truc pour changer. Là. Une boule lumineuse. Ah, mes yeux. Ah. Looks like we can pass through now. Où est-ce qu'on va? Brace yourselves. I'll make it regret facing us. Time to go wild, Jed. Let's be the first to welcome these monsters into the world. The world could use fewer monsters. Better tread carefully. Merde, je sais pas ce que je viens de faire. Je sais pas ça que je vais faire. Got a sinking feeling. Come on, we can do this. Fait mal, hein? Non! Oh, yo, 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 yo. Ça aussi, ça fait mal. Ah, c'est con parce que j'avais bien. J'avais bien fait le truc là, quand même. You got a ways to go. Ways open. Here we go. Looky here. Ah, j'avais fait ça au lieu de bloquer, puis après j'ai un peu fait de la merde. Ah, l'attaque du katana là. Oh la vache, qu'est-ce que ça fait mal. What a view. But there's a weird feeling I can't shake. Of course. You've seen what's in the shadows. Voilà. Found a spot to rest. Should we take a breather? Pas vraiment, honnêtement. Non, pas vraiment, go. Raccourci. In my sight. Ding, ding.
I could do this all day. Ok, ça marche, Captain America. Oh. Ok, par là. Come on. Time to go to work. Ah, merde. Take it from here, Neon. C'est bon. Feel the pain. Feel the pain. More monsters. And all you got? Come on, let's be quick about it. You know, I almost feel sorry for them. You look almost disappointed, Jack. C'est quoi ce qui fait pouet pouet? Encore un truc à tuer. C'est quoi qui fait pouet pouet? Oh, un pampa. Ok, go. Reviens! T'es bon là. Je me suis fait attraper par l'attaque. Je l'ai pas vu. Ah, j'ai utilisé tous mes PM et tout ça, mais ça valait le coup. Là. On a tout défoncé d'un coup, c'était cool. Enfin, on a fait surtout le pampa, c'est le plus important. Eh, j'ai pas trop fait attention à ce qu'elle faisait maintenant. Normalement, elle doit faire des magies et tout, je crois. Let's go. I don't stand a chance. Can't get through like this. Ok, cool. Ah, if. Ok, je vois ce qu'il faut faire. Cool, found a way through. We can set up base here. Ouais, faut enlever l'eau. Ah, mes yeux, attention. Et on remonte. Non, comme ça. Okay. Oui. Oh les mecs, vous êtes là ou pas? Oh oh. D'accord. Alors, on peut voir ce que tu fais un peu. Merde. Je crois qu'elle a fait de la magie, j'en sais rien de ce qu'elle a fait. Ok, bien. Elle a un buff tout le temps. Ah, mais elle a plein de buffs en fait. Elle a 4 trucs différents. C'est abusé son machin. Ok. Attends, on vient de là? Non, on vient pas de là. Si? Non. There's one. Come on, follow me. Hey Nia, were you here by yourself before? Who knows? Maybe I was alone. Maybe not. It's all the same now. Huh.
Ok. Move aside. Ouh, Tashi. Je voudrais bien avoir tous ces buffs qu'elle a, elle. Je m'en fous de la voir briller comme ça. Hop, fais voir un peu. On a Tashi. Ouh, joli. Les équipements sont classe. Time for a change. Ah oui, j'ai aussi ça, c'est vrai, oh là là. Complètement zappé. Je crois que le samouraï c'est fun pour le moment, mais trop compliqué. Moi, il me faut des trucs simples. Hein. Moi, je pense pas à tout ce qu'on a. Je me suis retourné, il a glissé quoi. Running low? We'll have to take it slow. Cubes, over there. I need a break. Ok. Peut-être. Je vais voir un peu les points qu'on a. Meurtrier. Ok. Samouraï. Ah tiens, ça c'est une... nouvelle attaque, manifestation. Donc là, on a quoi? On a... Par exemple, régène temporairement EPM, activer les effets d'enchaînement. Là, on a... Pendant les dégâts de rupture infligés, l'effet peut être renforcé jusqu'à niveau 3 lorsqu'un enchaînement réussit. Ok. Ça me fait un peu peur d'utiliser ça, parce que je me dis que... On va prendre cher. Et je risque de pleurer en fait. Peut-être. Si, si ça augmente les dégâts qu'on prend. On peut tester. On va voir un peu. Ça dure longtemps en plus. Hein. On va voir. C'est par où? C'est par là. There's one. Still scared of lightning, Jet? I bet. I have a perfectly healthy fear. You go out there, Ash. Then tell me those bolts aren't a hazard. All right. This is the one. Time to go wild, Jed. Time for a change. Oh mon dieu. Ça m'a bloqué, ça m'a paralysé, je crois. Je voudrais voir avec l'attaque des gainés là. Quand on a notre. Ah, il y a des éclairs qui nous tombent dessus. Quand on a le boost de dégâts, voir un peu ce que ça donne. Alright. This is the one. Let's go. Let's make this entertaining. Ah, on l'a pu, c'est cool. Ow! No! Take it from here, Neon! Gotcha. 3100. C'est pas mal. Time for a change. Et on va enlever la foudre parce que c'est un peu relou. Okay, la fielle régène HP et tout quoi, c'est énorme.
Y a un truc là à droite. Ah, c'est des écrits là, une archi. Ah non, c'est une arme. Okay, j'en ai. Glisse pas, glisse pas. Attends, là y'a quoi? Hey Neon, remember you said if we met Chaos, you'd start respecting Jack? Huh. Did I? Yep. Sorry, he's right. Does Jack remember? I do now. Thanks. Any chance you could forget that? Oh la la la. Bien joué. Et les mecs, vous pouvez faire un truc. Come on. I don't stand a chance. Take it from here, Neon. Will do. Bien. Très bien. On continue. Petite aventure. Y'a quoi là? Sympa ce monde. Should we check it out? Sympa ce monde qui change et tout comme ça là, j'aime bien. Alors, le Ronin, on a des trucs en plus. Augmenter les dégâts de rupture. Pourquoi pas. Ça, ça a l'air pas mal après. Ouais, ouais, ça, ça a l'air vraiment pas mal. Attends, où est-ce qu'on va? Ok, donc faut vider l'eau, ça marche. Et ok, bah ça doit être là. Ah oh, putain. Take it from here, Neon. I'll get you off your back. Time to go wild, Jack. J'ai pris très cher. Je tapais à chaque fois qu'il me tapait aussi, je crois. Time for a change. C'est pas grave. Non, bah on est mort. Non. Encore une fois, j'aurais pu faire le X là. Ça m'embête à chaque fois. J'aurais pu faire le X pour cancel et esquiver. Très bien, ça donne une potion. Let's see what's inside. Oh là là. Oh, il y a plein de trucs en bas. Voilà. On est prêt. Vas-y, on va faire ça. Pas mal. Nice job. Take it from here, Neon.
Ah oh, putain de merde. Ouh, c'est quoi ce machin? We got company. Come on, follow me. Non. Je fais de la merde. Oh là là. C'est le truc, il y a tellement d'habilités à faire et à penser et tout ça, c'est frustrant quand on n'arrive pas à, bah, à penser à tout faire en fait. Ça devient frustrant. Ah, et elle qui est buffée comme une folle là, ça m'en fout. Faudrait bien avoir ça moi aussi. Ah, peut-être qu'on pourra faire, hein, c'est pareil. Tiens, attends, avant de faire ça, on va regarder l'équipement. Okay. Ah oui, on a des nouveaux combos avec le Ronin. Alors, on a ça. Ouais, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi? Une chauve-souris géante? Oula, non, c'est quoi ça? Oh, Ifrit et Shiva. There. What are you? Answer me. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Noyau élémentaire. Ok, il est collé au. Ok, ça a changé. Merde, putain, c'est sur moi. Oh! Mon dieu, tu fais mal. Ok. Il y a trop de feu. Oh la vache! Almost out of potions. We'll have to take it slow. Ouais. Ah, c'est quoi ce machin? Oh, it's losing control and fast. Chaos wouldn't go down so easy. Let's stamp this thing out. Ok, on est full. Oh là là. Oh le bordel. No room for mistakes. On va peut-être rester loin au final, c'était pas si mal de rester loin. Ouais, c'était vraiment pas si mal de rester loin. Non mais c'est Kratos le mec, hein. That's all? Hmm?
On peut avoir des invocations. Les mecs, ils avancent. Wait up. Genre, allez, au suivant. On n'a pas que ça à faire, nous. Ça va, c'est top. Alors, sceptre de sagesse. Mage noir. Ok, donc ça c'est... Ah ok, il nous montre comme ça. Et du coup, on fait des assemblées. Ça marche. Ok. Mission pression et sentiment de déjà vu disponible. Mission secondaire souvenir turc. Ok, cool. Bah du coup, vu que je sais que maintenant comment ça fonctionne, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, on va mettre non. Pas besoin de confirmer à chaque fois, hein, c'est pas grave. Alors, fais voir là. Dégâts de rupture. C'est quoi ça? C'est pas mal. Cri de guerre. Fait chanter les ennemis aux alentours et gère temporairement vos PV progressivement. Classe requise, gladiateur et renin. La classe de guerrier. Ça a l'air pas mal ça. C'est sympa ça. Mais guerrier du coup il utilise quoi comme arme? Est-ce qu'on peut le voir là? Ah oui, oh là là. Arme dispo... quasiment tout en fait. Sauf les bâtons de mage. Ah intéressant, on peut en faire un peu ce qu'on veut en fait du guerrier du coup. Waouh, putain. Waouh, ça tue ça. Ah ouais, ça tue. Ok. Tu parles d'une classe polyvalente, quoi. Bon, après, le... J'ai envie de dire l'attaque spéciale, elle est très basique, en fait. Elle est très, très simple. Elle marche avec tout, quoi. Genre, tu rugis, tu régènes et tu fais tomber les autres. Là, c'est sûr que... C'est sûr que c'est simple, quoi. Ça, c'est cool. C'est cool. Alors, on va peut-être monter guerrier après. Ça va peut-être le faire. Bon, je vois un peu. J'ai tellement d'accessoires, je sais jamais quoi mettre. Faudrait changer. Honnêtement, pour le moment, je fais pas vraiment attention aux stats. Mais vraiment pas. Dû garder ça. Là, je mets vraiment ce qui est le plus intéressant pour le moment. Ok, on est bien, on a bientôt fini Artière. Formation, toi t'es 30. Du coup, toi tu peux changer aussi. C'est pas ça. Donc, voleur. Voilà. Mage rouge, toi t'es 8. Ça marche. Je vais faire juste une petite pause. Je reviens vite. Et après, on continue notre épisode. Donc, je vérifie. Parce qu'il y a eu une mise à jour avec OBS. Et des fois, il a l'air de se figer et tout ça. Oh là là, jamais faire des mises à jour d'OBS, c'est ouf quoi. Je reviens. Ok, on est de retour. Tout va bien. Fausse alerte. Alors, on va faire. Rancune fatale. Oui, c'est ça. Ok. Mission secondaire. De la même mission. Et après, on fera... On avancera dans l'histoire. Ça va vite. Les missions sont rapides, en plus. Hein. C'est vraiment cool. C'est pas très, très long. C'est cool. This will be a walk in the park.
I'm counting on you. J'ai pas besoin de me reposer au début, donc si. This is the one. On doit faire quoi? Be ready for anything. Vaincre les tomberies maintenant. Oh, merde. Take it from here, Neon. Time to go wild. Très bien. That was rough. At least we have time to take a breather. Let's go. This will be a breeze. All right. Oh. Oh. Attends, bouge pas. J'arrive. Time for a change. J'ai vu un chemin, mais j'ai vu. Oui, voilà. Let's see what's inside. Ok, cool. Attends, je peux aller voir le bombo. Pas que le bombo. Tu fais de la du feu, non? Tu veux pas me faire du. Donne-moi ton feu. Ok, d'accord. Merci, c'était pas très très intéressant, bombo. Mais ils sont où les autres? Ils sont tombés? Je crois qu'ils sont... Oui, ils sont tombés. Aïe, 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 aïe. Oh! Rancune! Non, ça fait mal ça! This is the one. Take it from here, Neon! Got all your moves? J'ai plus de vie. Ça c'est rancune ça. Oh, il m'a mis un coup de couteau. Il m'a fait poc. Oh non. Il m'a fait poc, il m'a tué. All right. Enemy spotted. Are you ready for anything? Je sais pas si on va tuer tout le monde. Let's make this entertaining. Ça prend un peu. Enfin, quoi que non. Très bien. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse projeter les ennemis comme ça contre les parois et tout. C'est vraiment classe. Et l'autre qui est buffé comme une folle là, ça me rend fou. Alors attends, il y a peut-être d'autres chemins. Non, j'ai rien. Ok, j'ai rien déjà. Regarde-moi ça, elle brille de mille feux. Take it from here. We got company. Come on, follow me. What's that? Là, c'est pas mal là. Lights out. Bien joué. Oh, tombe pas. You look almost disappointed, Jack. Bonjour. Wow. I didn't think we'd get through this way. Voilà, next time we need a breather. Jack, now's your chance. Can't you move? Time for a change. Oh putain, le hachoir. J'ai vu au dernier moment, j'ai vu hachoir et tout, mais j'étais en animation. Bon, encore une fois, j'aurais pu faire ça, hein.
Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait tomber le... This is the one. Let's go. I don't stand a chance. J'ai fait tomber la corde. On va rester loin du machin. Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir comme un idiot. Take it from here, Neon. D'accord, no. Cool. Bien joué. Oh mon dieu. Ah, mon... ça. Malédiction de paralysie. Merde. Il m'a eu avec ses flammes d'un coup. Allez-y les mecs, hein. Moi je reste de loin. Ah, mes yeux à chaque fois. Ok, du coup par où on passe? Ah, le chemin, c'était un cul-de-sac tout à l'heure. This is the one. À gauche là, sûrement ça. Time for a change. Ouais, on va rester très très loin des tomberies. See anything following us? I could keep going. Bon, c'est l'heure de s'aveugler encore une fois. Look here. Ok. Je l'ai bloqué ou pas? Non. Non. Allez, go, 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 avant que... Très bien. Putain, brasier. Il est toujours là, le tomberé. Le tomberé, il s'en fout complètement de ce qu'on est en train de faire. Il nous faudrait quelque chose pour faire la rupture plus facilement en fait. Mais... Ah attends, charger mes trucs déjà, ce serait pas mal. Ah oui, nettement mieux. Ouais, charger mes tirs. Enfin mes balles là. Nettement mieux. On a trouvé une technique, ça y est. Je peux pas monter là. C'est par là. Non. Par où on passe? Par où on... on va revenir en arrière, j'imagine. This is the one. All right. Hmm.
Ah, je peux descendre par là. Ok, ça marche. Y'a quoi là? Y'a plein de pirates. Ah oh. Take it from here, Neon. This is the one. Ouais. Il est fun ce jeu, honnêtement. J'arrête pas d'y jouer maintenant. Je vois plus rien d'autre. Ok, ça a enlevé l'eau en bas. Ouais, mais ça c'est le cul-de-sac en fait. Je sais pas si ça servait à quelque chose du coup de le changer. Take it from here, Neon. I'll get them off your back. Là, très bien. You know, I almost feel sorry for them. You look almost disappointed, Jack. Ah, that was quick. Même P. Ah mince. Ok. Je l'ai fait pour rien en fait, c'est ça? Je l'ai fait pour rien. Time for a change. Par contre, du coup, on a tué les monstres ou il y a d'autres monstres quand ça change comme ça? Non, ok, on a tué les monstres. Par contre. Ouais, on est bon, on est bon. All right. Time for a change. Oh, j'entends des pirates. Ok. Jouer. Feel the pain. Have a look at this. Can I use it? Impératrice, level 28. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ça et charge les balles. Bien joué. Il va d'abord faire ça. Ok, il est en train de défoncer la gueule. Ça va me toucher ou pas? Non. Très bien. Ça va, ça dure longtemps les buffs là que j'ai. Les balles buffées, les balles chargées, plus. Les dégâts en plus. Bon, après j'ai pris cher parce que je faisais des dégâts supplémentaires, mais je m'en prends plus. Mais ouais, les balles chargées, hein. Balles chargées qui détruisent la barre là, jaune. Vous pouvez désormais améliorer les pièces d'équipement de niveau 5 étoiles à la forge. Cool. C'est vrai que ça, la forge, pour l'instant, je fais strictement rien. Je fais strictement rien à la forge. Je peux aller jusqu'au niveau 37. On a 102 fragments. Ok. Ça marche. On va regarder ce qu'on a. Ah, Ronin, est-ce qu'on a fini Ronin? Non.
C'est quoi qu'on a presque fini, je crois. Bah c'est Artilleur, je crois. C'est bon, niveau 30. Ok, nickel. Ah bah tiens. Le guerrier, il peut être n'importe quoi. Contre les PV. C'est quoi ça? C'est pour les épées lourdes. Ah oui, du coup, t'as quoi, toi? T'as épée lourde. Oui, ouais, t'as un peu de tout, en fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ok. Et là, c'est le libérateur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, c'est une sorte de quoi? De paladin, en fait. Ça fait quoi? Réduit les dégâts reçus par les alliés dans l'air des faits autour de vous et régénère les PV progression. Ouais, c'est une sorte de paladin, en fait. On peut voir ça? C'est pas mal, guerrier. J'aime bien le fait que... En fait, on gagne des choses pour un peu toutes les armes. Sympa. Et ça, c'est quoi? Oh, il y a le chevalier noir. Consomme les PV. En attaquant, mais fait des dégâts élémentaires de ténèbres. Cool, il y a le chevalier noir. Sympa. Alors, on a fini Artilleur. Ah, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on a fini Artilleur. Déjà, on peut faire ça. Alors, maintenant. Mais je dirais pas non pour guerrier, mais j'aime bien le tir. En fait, le guerrier, il peut faire tir aussi, hein, si on veut, à la limite. Tiens, on peut revenir sur Gladiateur vite fait, histoire de le finir. Waouh, elle est jolie l'épée. Ronin, on est quoi? 23. Ça ferait 2 mêlées en fait. Ouais, pourquoi pas, on s'en fout. Alors, on a quoi là? La brèche. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, on a élévation. Et ben. Faudrait peut-être enlever ce qui est rareté une étoile, en fait. Genre, on garde que les deux étoiles. Peut-être. C'est vrai que pour l'instant, vu que je fais pas trop attention à ce qu'on met comme équipement, parce qu'on n'a pas vraiment d'équipements spéciaux, le jeu va me mettre ce qui est plus haut niveau. Donc des fois, il va mettre des trucs bah, genre une étoile, alors qu'on a genre par exemple un truc 30 qui est 4 étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce qu'on peut pas détruire... fais voir. On peut mettre 21 maintenant, par exemple. Alors, ça c'est quoi? Affinité, affinité, affinité. Rareté, arme et armure. Genre, faut que ça soit une étoile ou moins. Correspond à toutes les conditions. Non, non, non. Correspond à une des conditions. Ouais. Donc si c'est 21 ou moins, ça le détruit. Si je fasse pas de conneries. Hein. Bon après, c'est pas grave. Hein. Genre farmer dans le jeu, c'est pas très compliqué. Hein. C'est comme Nioh, c'est facile. Mais alors quand c'est 21 ou une ou moins, c'est détruit. Et quand c'est une étoile ou moins, c'est détruit. Ah mais du coup, si on a des trucs haut niveau. Non, mais non, c'est bon. C'est bon. Ok, c'est pas un problème. C'est parfait comme ça. C'est parfait. Okay. Ouais, on va faire un peu de guerrier, puis après on changera. On va faire gladiateur, après on changera. On va finir gladiateur. Alors, mirage de cristal.
Au fond de la magnifique forêt luxuriante, Jack demande à grands cris aux monstres aberrants qui s'y trouvent s'ils sont KO. Mais ceux-ci passent à l'attaque sans lui répondre. Il mène un combat acharné, mais Jack réalise bien vite qu'il ne s'agit pas de lui et les pulvérise. Quoi ? Ah oui, pas de lui, c'est pas KO. Et les pulvérise jusqu'à ce que même leurs vestiges soient méconnaissables. S'ils ne sont pas KO, ils ne lui sont d'aucune utilité. Cette victoire ayant déjà perdu tout intérêt, Jag et ses alliés se dirigent vers la superbe tour cristalline qui se dresse dans les profondeurs de la forêt. Ah, le mec, quoi. Putain. Ah, t'es pas KO, on te détruit, puis en plus, après, on avance, quoi. On s'en fout. Celui est basé sur le folklore d'un bâtiment hautement confidentiel trouvé dans le troisième espace-temps. Il correspond au prototype d'un édifice de ce monde appelé la Tour Mirage. Les résultats des expériences menées ici y étaient envoyés, mais maintenant que la véritable tour est apparue, cet édifice s'est lui-même perdu dans une distorsion, conservant tout de même ses fonctions. Lots of bats. Where are they headed? Wherever it is, we better get there first. Par contre, de pas avoir d'attaque de loin, ça me fait un peu peur. All right. Je dois avouer. Asto said there'd be a crystal at the top of the tower. And where there's a crystal, there's chaos. Come on. Ah, le mec, quoi. Let's see what's inside. Have a look at this. Gonna use it? Hey, Christo, y'a KO. Enemy spotted. Be ready for anything. Go for it, Jack! You're done! Ah, c'est un peu plus lent, mais c'est vrai que chaque coup fait très mal. Hein. Ouais, ça fait. Ouais. Il fait très mal, j'avoue. J'avoue qu'il fait bien mal, le monsieur en. Gladiateur là, putain. We got company. Let's make this entertaining. Ah merde. Putain, je les tue avant de. Wow. What's that? Time to go wild. Vous avez pas fait grand chose là. Les deux. Tu es en train de me regarder combattre. Tout détruit par terre. Oh, cristal. C'est quoi que j'entends? Ah, ça. Ah! Don't let that curse linger. We win. All right. Let's keep it up. Ils veulent détruire le cristal ou pas? I don't stand a chance. Mon dieu, les dégâts. Time to go wild, Jed. Alors je vais être honnête, il y a un certain avantage de taper comme un putain de bourrin énorme. J'avoue que... Oh la vache. Attends pas. Ok, go. Attention aux mille épines.
C'est bon là. Move aside. Move aside. Oh là là. Oh, il y en a beaucoup. Let's go. This will be a breeze. Non merde. Je me suis tué. Oui. Time to go wild, Jed. Oh, I'll leave you dead. C'est combien de coups de barres ça? This will bring us back down. Should we go back and prepare? Je crois qu'il faudrait. Je crois qu'il faut détruire les cristaux, non? Attends, c'est deux barres ce machin? C'est la dernière attaque, le combo là? Ouais, c'est deux barres. J'ai l'impression que... Salle des manigances. Ah! Oh, gros fou. There's a huge scar on his back. Looks like it hurt. J'ai vu qu'il y avait des... Let's wrap this up. Des machins pour le faire tomber sur sa gueule. Mais on n'a pas de tir. Voilà. Protocube. Ouais, genre ça. What do you think this is? I bet we can use it on that pedestal. Utiliser quoi? Hein? Oh! Protocube. Je crois qu'il y a des endroits que j'ai pas visités. Après c'est pas trop important honnêtement. Look, cubes. Ooh, makes me dizzy. Stay away from the edges. I can't promise to catch you if you fall. Ouais, je pense pas que ce soit très très. Never seen one of these before. Joli là. La tour. On va regarder si on a fini Gladiateur ou pas. Si, si, on a fini 30. Ok. On peut changer déjà. On peut changer. Ok. Y a quoi que j'aimais bien? Alors, Rodeur, j'aime bien, mais... On peut peut-être épéiste, qu'on teste un peu. Alors qu'est-ce que c'est? Caractériser des combos d'armes. Certaines armes sont dotées de combos. Vous ne pouvez les attribuer à un emplacement que lorsque vous êtes équipé de ces armes. Ah bon? Alors comment tu vois ça? Enfin, genre, pourquoi tu m'as dit ça en fait? C'est ça que... Bon, là, on a que le coup des stocks. Ah non, on a ça aussi. On peut exécuter un contre-attaque en tranchant et annuler les dégâts. Ok. Ça, c'est l'attaque de base, en fait, de l'épéiste. Hein. Ok, ça marche. Bon, on n'a pas grand-chose, en fait. Oh mon dieu. On a vraiment pas l'équipement pour, hein. C'est vraiment pas stylé. Faudrait plus une armure et tout, mais c'est pas trop grave.
Ah, je sais pas si je veux monter épéiste en fait, ça me dit rien, ça me dit pas grand chose. On pourrait faire un peu de guerrier, du coup on peut utiliser un peu ce qu'on veut. Genre on fait guerrier, tireur. Qu'est-ce qu'on a après? Slowboard. Peau de guerre. Je vais voir si je fais ça. Ouais, on peut tester. This is the one. On va voir ce que ça donne. Now then. There's one. Come on, follow me. C'est quoi ça? Caractéristique des prismes magiques. Les prismes magiques émettent un rayon laser. Si une de vos attaques magiques élémentaires les atteint, touchez-les pour les faire pivoter, modifier leur direction. Qu'est-ce que ça? Watch out! That thing reflects magic. I think I know someone with some spells. Path is just gone. There's gotta be a switch or something. Let's find it. Attends. Let's see what's inside. Come on. Time to go to work. Attends, il m'a dit qu'avec mes attaques normales. Ah, attends, c'est là. Ok. Better try carefully. Yeah, there we go. This crystal is some kind of trick. C'est quoi ça? Ah non, faut pas rien. C'est des robots? Un peu. Regarde. Ah oui, c'est vrai que ça régène ma vie, le cri, ça fait pas que faire tomber. Ah, oh, ça tue. Oh. Ah. Attends, c'est... Ah, ok, ok. Jack, help me. Don't look down. Eyes forward. All right. Maintenant, là par contre ça... Ça a pas l'air de le faire là par contre. On est d'accord que si je tire là, ça stoppe. Ah non. Donc, ça passe à travers quand même. Donc peut-être que... Attention, il y a... Ok. Time for a change. Take it from here, Neon. I'll get him off your back. This is gone. Move aside. Très bien. Ah, c'était une bonne façon. C'était legit, hein, ma façon de tester. Je veux pas dire, mais c'était legit. This is the one. Je me demande comment ça marche en multijoueur. Genre, est-ce que les gens peuvent avoir plusieurs métiers? Est-ce qu'ils ils prennent le contrôle des autres persos? Est-ce que tout le monde est Jack? That was rough. At least we have time to take a breather. Là, j'adore le truc qui... On se fait régène, là, constamment, c'est abusé.
Le cri du guerrier là. Je pense que ça doit être le... un des plus utiles, enfin surtout pour monter de niveau, pour grinder quoi. Ow. Vous m'avez tué l'autre. Ok, très bien, bien joué. Bien joué l'équipe. Weird. I feel like I've climbed this tower before. Or okay. Was it a different ça, tower? Un raccourci, j'imagine. This place tricks on the eye, like a mirage. Makes you see things that aren't really there. Yeah. Can't trust anything you see here. That's a huge headache waiting to happen. Oh, la vache. Gonna kill itself. Tiens, ça prendra. Bien joué. Ah, on a bien joué là le coup du chargé dans son dos. Ça fait méga mal. Come on. Time to go to work. Tiens, prends-toi ça. Alors, faut tourner ça. Hop là. Oh. Ok. Non. Mais si, il y a peut-être un passage. Peut-être qu'il est en montant, genre un escalier invisible. Il y a un ennemi, donc je vois pas pourquoi. Ah ah! Putain! Merci. Là, je savais qu'il fallait pas que je le lock. Putain, non mais sans déconner. Ah bah voilà, super. My sword's breath. Sorry if I dropped the ball. Là j'avoue que c'était un peu pourri. Là j'ai l'impression de jouer à Dark Souls quoi. Enemy spotted. Let's make this entertaining. Tombé. Yes. Oh là là. Parfait. Ok, là il y a un truc. Ah non, 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 on est bon. Cool. Plein de coffres. Enfin, deux. Ouh, on dash. We got company. Be ready for anything. Time to go wild, Jed. Lights up. Oh la vache, il
vénères, hein, les mecs. Quand on active les deux en même temps, on vénère. Très vénère, c'est marrant. C'est très marrant. On est full HP tout le temps, ça tue. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. I think we're safe. Hop. Parfait. Donc il y a l'autre qui m'embête un peu. Ouh, c'est l'électricité ça. Brasier. Adieu. Ah, quoique. T'as de la chance. Non, non, t'as pas de chance. Non, c'est celui-là. Oh. Ciao. Ah, là, c'est un peu pris par hasard, mais le fait de pouvoir faire tomber juste en criant, là, avec le cri de guerre, j'avoue que ça tombe bien, en fait. Sans faire jeu de mots. Ouais. Ça tombe super bien. Là, du coup, ça sert à quelque chose d'y aller ou pas? Non, je pense pas. Ah, ok, tu le fais apparaître. Vous voulez pas l'attaquer parce que vous êtes confus, c'est ça? Parce qu'il y a... C'est invisible. Ah, du coup, la magie fait apparaître les ponts invisibles, en fait. Ok. Are those cubes? Should we check it out? On va voir un peu. Le guerrier. Finité au guerrier. Là on a... Pour les grosses épées. Le maraudeur aussi a augmenté. Très bien. Okay. Ouais, ils reprennent aussi le... ce que je parle de FF11. Mais il y a le 14 aussi. Ils font pareil. Au début vous avez maraudeur. Puis après vous avez guerrier. Ils aiment bien, ils adorent le système de classe en fait dans les Final Fantasy. Et ça a été introduit dans le 10, non? Bah c'est le 11 en ligne en fait. Oh merde. Oh la vache. Ah bah là je suis content d'avoir une arme à feu. Hein. Après on a eu quoi? Le 12. Le 12 à l'origine non, mais après le Zodiac Age il a rajouté les... Il a bien rajouté des jobs, des classes. On a eu... We got company. Time to go to work. Non mon dieu, par contre là... Take it from here, Neon. I'll get them off your back. This will score. C'est quoi derrière moi? C'est quoi la créature? Il y avait le 10-2. Le 10-2 est un très très bon FF hein, niveau gameplay. Hein. Je vais être honnête, je me rappelle pas du tout de l'histoire. Ah putain, tu me l'as poussé derrière le mur.
change. Yeah, je l'ai attrapé. Le D2, je me rappelle plus du tout de l'histoire. Je vais être franc. Mais je me rappelle que j'ai passé un super moment dessus parce que il y avait le système de job là qu'on pouvait changer et tout ça. C'est vraiment cool. Right. Donc j'aime bien le délire d'avoir différentes classes et de jobs. Même dans les jeux solo, hein, je parle pas de ça en ligne. Moi j'aime beaucoup en fait ça. Le 15, il y avait plus ça. Maintenant que j'y pense. Le 15, on était revenu au style ancien, genre 7, 8, 9 ou même 10. Où genre les gens, ils utilisent un type d'arme et c'est juste ça leur différence en fait. Un type d'arme, des fois c'est un type d'équipement, je crois bien. Mais c'est tout, mais il n'y a pas de système de classe qui change comme ça. Ouais, non, moi je préfère avec les classes honnêtement, franchement, les FF. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Take it from here, Neon. Will do. Got it. Oh, t'étais pas par terre, j'ai essayé de t'attraper, mais en fait t'étais pas encore par terre. I don't stand a chance. On a fait de l'eau, je crois. Mais ça ne sert à rien. Ok, bien. J'avais emmagasiné de l'eau, de l'esprit là, c'était pas mal. That thing's an eyesore. Let's crush it and quick. Joli, joli, joli. Je me demande si le 16 ils vont faire ça, le coup des différents jobs. J'imagine que non, parce que les FF principaux ont arrêté de faire ça, genre le 15 il le faisait pas, le 16 il va sûrement pas le faire. Je sais pas, je le vois mal faire ça. C'est souvent les Final Fantasy qui sont pas vraiment principaux, on va dire. Genre le 10-2 il faisait les jobs, le 12 comme j'ai dit à la base il le faisait pas, c'est quand ils ont fait le Zodiac Age, la version Zodiac Age qui a eu des jobs. Le 13 à la base il le faisait pas, je crois bien. Par contre le 13-2 le faisait, je crois, un truc comme ça. Je crois. Hein. Donc ouais, non, ils veulent pas, ils aiment pas mettre les jobs sur, pas les jobs. C'est l'habitude de ça. Mais c'est les classes quoi. Ils aiment pas mettre ça sur les FF principaux en fait. C'est un peu bête. Moi j'aime beaucoup ça. Waouh, la classe. Vif argent. C'est joli ça. Disponible. Étincelle finale. Ah, c'est de ça qu'il parlait. Ok, il y en a un qui a lumière stellaire et l'autre étincelle finale. Est-ce qu'on peut voir les habilités ou... On peut voir. Ah, on a tir éclatant. Oui, ça c'est tir à bout portant. Étincelle finale, infligé des dégâts élémentaires de foudre important latéralement à courte portée. Tu peux voir un peu? Ouh, joli. Bon, par contre, c'est deux, quoi. Bon, après, à un certain moment, deux crans,
C'est pas la mer à boire, hein, ça passe. Du coup, fais voir l'autre. Lumière stellaire. Les dégâts élémentaires de lumière en mettant un rayon de lumière continu de la bouche de votre arme à feu. Maintenant, les rayons enfoncés permet d'attaquer successivement. Fais voir un peu. Wow, ok. Attends, je peux le mettre en... Oh oui. Ah oui, parce que je suis guerrier. Alors attends, oh là là. Attends, position de tir. Je pourrais mettre ça. En 3, on a balle chargée. Fait dégâts perforants. Comme ça, c'est mieux en corps à corps. Donc on peut mettre ricochet. Ok, fais voir un peu. Non, c'est pas ça. En 1, lumière stellaire. What the fuck? C'est abusé. Ok. Donc manifestation et après on fait ça. Ça peut être marrant. Oh non, d'abord il faudrait faire balle chargée. Et après, mes lumières... Oh là là. Oh, ça fait beaucoup de prérequis, là. Mais bon. Ok, on va voir, on va voir, on va voir. On va voir ce que ça fait. C'est fun. Il est super fun, ce jeu. C'est énorme. Hey, Jack. When did you teach Sarah that song? It's a classic. Everyone knows it. C'est quoi, c'est une chiméra? Une chimère? Ouais, une chimère. Take it from here, Neon. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça. Absorber ses attaques. Oh. Alors on a dit ça. Et après on a dit. Ah attends, il m'a silence. Ah je suis silence, merde. Oh, oh. Ah la putain de toi. Comme je fais de la merde. J'arrive pas à... Ah, c'est marrant. Stay on your toes. Take it from here, Neon. Ça tue! Ça tue! Ok. More heads? No turning back now. Let's finish this, Jack. Et les mecs, vous voulez faire quelque chose ou... Ok, on va faire ça, non? Je vais crever. I'm not dead yet. On a été silence par contre. Take it from here, Neon.
J'essaye de faire mon tir. On va faire ça. Oh non, je suis trop loin, la loose. J'essaye de me buffer en même temps, mais j'y arrive pas, il y a trop de choses à faire. Donc, bon. Ouais. Il y a beaucoup de buffs à faire et tout. Mais c'est super fun par contre de faire le tir là. C'est sympa. Genre le mieux, je crois que c'est avec balles chargées. That's it. No chaos. And no crystal. Did Astos trick us? Wait. This feeling. I know where we are. Check it out. It starts on its own. Logging in. Logging in. Welcome. Are you the owners of this terminal? Hmm. We have been waiting for you. Commencing transport. Transport to Flying Fortress. Complete. La forteresse volante. Cool. Cool, cool, cool. Alors, pièces d'équipement correspondant aux conditions du désassemblage automatique ont été désassemblées. Marche. Alors, fais voir. Ok, elle a pas de... Non, elle a pas de mission secondaire, ça marche. Bon, on va regarder un peu ce qu'on a récupéré, puis on va s'arrêter là. Là, c'est 3 points pour ça. Réduit dégâts reçus. PV en plus. Augmente les dégâts infligés lorsque les PV sont au max. Le guerrier est vachement super intéressant, honnêtement. Enfin, pour rester en vie, en fait, c'est super fun. Et puis, en plus, on peut utiliser ce qu'on veut. Donc j'avoue que... Ouais, c'est fun. Non, remets-moi le... Oh, ça garde en mémoire. Ok, cool. Ça garde en mémoire le fait que j'ai mis la lumière stellaire ici. Ok, parfait. Et là, on a une autre attaque... Ouh, on a taché en or. Ah oui, mais non, mais en fait, c'est violet le mieux. On a Oka. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont, le reste? 13, 17 et 2. Ouh, c'est classe. Elle est stylée, hein, comme ça. Elle est stylée. 1800 de vie, c'est pas mal. Ça fait un peu... bizarre de faire guerrier au pistolet, mais c'est vrai que le pistolet est vraiment intéressante en fait comme arme. Après, est-ce qu'on a... Bah après, j'ai pas augmenté énormément toutes les autres armes. On a bien augmenté, oui, ça par exemple. Il y a disponible trompe dessus. Trombe. Intéressant.
Ah, j'aime bien, moi, les armes de tir. Énergétique. Bannissement et lame de vent. Sceptre des ténèbres. Intéressant. Ouais, maintenant, on est tout en couleur. Il n'y a que ça. À la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est... virer ça. Ouais, genre on fait mais ça. Voilà. Comme ça, ils détruiront tout ce qui est une étoile en fait. Tiens, t'as qu'à mettre ça. Le chenille avec le mage blanc est à 20%. Ok. Voilà. Plus personne a des choses d'une étoile maintenant. Par contre. Niveau. Non. Défense. Non. Type. Récent. Non. Bah, faut que je les trouve, quoi. Je vais les détruire, comme ça, on n'en parle plus. Donc ça. Oui, en plus, c'est tout le temps à 0%, ceux qui sont à une étoile. Donc, oui, non, ça faut vraiment pas les utiliser, en fait. Ah, putain, Jack, il a encore des trucs. Ah, j'ai pas vu. Ah, non. Tellement de menus. Je vais voir Jack. Ah oui, là. C'est bon, là. Oui, ça c'est pour les armes, ça c'est pas grave. Désassembler. Voilà, nickel. Ben voilà, on va s'arrêter là. C'était cool. On a bien avancé, on a découvert encore plein de nouveaux trucs avec les différentes armes et tout, c'est incroyable. Ah la vache. Ouais, on continuera la prochaine fois, on fera donc la forteresse volante. On gagnera des objets pour le dragon. Pertuisane, code de dragon, cool, 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 cool. Butin principal. Niveau 40. Niveau de la mission 40, niveau de l'équipement 35. 35 et nous on a du combien à peu près? Ouais ouais, on est dans les... on est bon. Ouais ouais, on est nickel. Ça c'est cool. Tiens, on peut faire ça maintenant. Ah oui putain, à chaque fois tu peux faire ça. Ok. Sympa. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.